Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous montrer la statue du chat Gaston Lagaffe avec la mouette de chez Faribol. Nous allons ouvrir le colis. C'est un colis très volumineux. Vous voyez, donc c'est bien emballé, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, la boîte est assez légère, hein, donc ça j'ai été surpris. C'est très léger. Voilà, donc une très belle boîte. Bien solide. Voilà. Alors, nous allons donc ouvrir cette boîte. Une boîte de très bonne qualité. Alors, donc là ici, vous voyez le certificat. Très belle image. Voilà, donc là ici, donc c'est le numéro 58 sur 350. Voilà, ils ont repris certaines cases de la bande dessinée. Voilà, donc vous voyez, donc c'est écrit, hein, donc cette statuette inspirée de l'œuvre de Franquin, d'André Franquin, a été réalisée d'après une sculpture de Pascal Rodier. Elle a été tirée à 350 exemplaires. Plus 5 hors commerce. Voilà. Alors, donc, un carré de mousse. Et voici à l'intérieur, donc, la statuette, donc, en 3 morceaux. Donc, la base, hein, avec la souris cheese. Très jolie, hein, des couleurs assez vives. Alors, je le pose délicatement, pas faire de bêtises. Voilà. Alors, le chat. Donc, ça, c'est. Elle est adorable. Donc. Avec ses gros yeux et sa langue. Le chat dingue. Alors, on va mettre ça dans le trou. Tac. Voilà, donc là je regrette simplement, vous voyez que il y a un petit 1000 mètres, hein, je dirais même 2000 mètres. Hein. C'est dommage que la queue elle pose pas vraiment sur un des dossiers. Vous voyez, on voit légèrement la tige. Voilà, bon, je trouve ça dommage, mais bon, petit détail. Et maintenant, la mouette éclairée. C'est vraiment une très belle pièce, hein, ça c'est. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc, on va mettre ça délicatement. De bêtises. Et voilà. Non, c'est très une pièce très majestueuse, magnifique. Donc elle est encore disponible, hein, sur les sites collector BD. Bon, elle est un peu chère, hein, mais bon, ça vaut son prix. Bon, peut-être pas. Voilà. Si ça avait été 100 € moins cher, ça aurait été parfait.
Mais bon.